Notre chemin était parfumé de pluie d'éternité. Je me souviens du chant fou de notre amour audacieux. Ma douleur dérange le silence des pierres. La mélancolie griffe mon corps mort. Les mots glissent de mon esprit flétri et tombent, étincelants, dans le vide du monde. Des rires s'évadent de mes souvenirs. Et la lune me murmure un sourire, mon âme est vêtue de plaies. Je ne te quitte pas. Je déambule dans le dédale de tes rires, je m'endors dans l'étreinte de mon désespoir. Tu es l'étoile la plus brillante de mon ciel. Tu es la plus belle écriture de ma vie. Tu m'inventes des rêves ailés. Je te rends grâce pour tous les bonheurs. Savoir comment je suis arrivée ici.
c'est que je ne me rappelle pas grand-chose, parce que je n'avais que 5 ans quand on m'a amené ici, avec mes deux petits frères, Bluet et Busta, ma sœur Betty et mon cousin Max. Le jour où nous avons quitté notre famille a été le plus triste de toute ma vie. Mes tantes et ma mère pleuraient. Maman disait qu'elle ne voulait pas que nous partions. Mais les hommes en costume ont juste dit que nous devions aller avec eux. Mes bébés, mes frères et ma sœur étaient si petits qu'ils ne se rappellent même plus qu'ils pleuraient. Je crois qu'ils avaient peur. Je ne sais toujours pas pourquoi on nous a amenés ici. Bluet, Busta, Max et Betty sont maintenant tous partis dans d'autres foyers et je n'ai plus entendu parler d'eux. Ils me manquent beaucoup et quand ils sont partis, j'ai pleuré pendant des jours et des jours. J'ai pensé que mon cœur s'était cassé en plein de tout petits morceaux car mes vrais parents et mes frères et ma sœur étaient alors tous sortis de ma vie. Je voulais partir d'ici aussi, car je voulais rester avec ma famille. Mais Mère Rose a dit qu'il valait mieux que je reste au foyer. Je pense à eux tout le temps. J'espère qu'ils vont bien. Toutes les sœurs ici sont gentilles, mais personne ne nous a jamais dit pourquoi nous étions ici, ni pourquoi nous ne vivions plus avec nos parents. Maman est venue nous voir 2 fois, puis elle n'est plus jamais venue. Peut-être parce qu'elle était toujours si triste, ou peut-être parce qu'elle ne voulait plus me voir. Je me suis demandé si j'avais fait quelque chose de mal. Elle a beaucoup pleuré et ça m'a fait pleurer aussi, parce qu'elle m'avait tellement manqué. Ses bras, ses chansons me manquent. Elle m'apprenait à bien chanter et je chante encore. Donc je suis vraiment comme elle. Mais maintenant, quand je suis triste, Mère Rose me prend toujours dans ses bras et me dit de décrire ce que je ressens. C'est ce que je fais, hein? What tu tonu no e to tato mata I te tau pe in e te vari haere iri veo veo Ma te tau a oref a haua Te heuri e vei nei in e te whenua E te piru e vei ato anei Rato e te pāri e te a au te O te nun a maohi E whātini au te e whenua e ti mana mana I farino nei au e I tamari I nāna. Mau ti tona iti, e oreia e mau I te riro I te reira a I roto I tōu a au māohi. Nō te mea, wa mau oia I au I tōna parau, e tēnu atu atu I te aminamina I te nāvenave o te tae o te reo whenua, oia te reo māohi. E pepea wi tō nun a manahune Nō tōna a au heha e te paari Oia I hapi mei e mātou Te ui pū oi I te paari e te hau Ei hau Ei hau mea ma Ei e te parau e tāve vo vevo noa nei Roto I tōu a au māohi Ei whahamon o nei a ue Te io te nun ara Te io te nun ara Tia ratia o te fauf a mau Te io te nun ara E mā ohi Oia e ohi tātou te hotu mā O te heuri o te nātura
E ma ohi. Oiai, ume mai tātou te hotu o te miti au hune. E ma ohi. Oia, e ohi tātou i rito i te apu o te atua. Te atua hoi tā ue whātintini nei. No te whenua hau e paepae nei e tātou. A pāinu inu no ai tātou i rito i te mo whenua tipa e o te ie nei au. E hi a whahua tātou i te man on or ae. Te io te nun ara, te io te whenua ra, te prau o te fauf amau. A prau tawai to tawa prau, ia ore tawai murui. Hamon of ahau tatou e, te yo te nun ara, yo oe, yo tatou, te whenua, te fauf amau.